Et salut à tous, c'est Fernando Bigo et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau petit live showdown avec de la musique. Je vais baisser un peu dans les écouteurs, j'espère que ça sera pas trop fort pour vous également. Techniquement non, puisque je retrouve enfin un logiciel que je connais, donc c'est bien. Non, apparemment ça devrait aller. Ah, on se retrouve aujourd'hui, on va aller s'attaquer à l'Underused encore une fois. C'est un tir que j'adore, et puis encore plus cette génération, parce que il y a moyen de se faire des teams complètement craqués quand même. Alors, on va partir avec la team que vous voyez là. On va partir tout de suite. Et c'est une team, comme vous l'aurez compris, autour de Mega Pharamp, alias Fabio. Pour ceux qui connaissent... Voilà, Fabio. On t'aime, mec. Voilà. Vous allez comprendre pourquoi... Enfin, vous allez comprendre pourquoi. Si vous connaissez pas la référence, je vous invite à aller regarder les Hidden Fahid de bah, avec Blunder, Pokiame, CTC, CBB, Chimpact, MB, Jembat, tout ça, il me semble. Enfin, ils sont beaucoup. Il me semble que des fois il y a même Moit aussi qui est là. Excusez-moi, j'ai reçu un message. J'étais en... Oui, bon, en gros, ils sont beaucoup. Et il y a une de leurs vidéos où, en gros, ils sortent ce set de Mega Pharamp qui est juste beaucoup trop fort. Mega Pharamp, Fifth Death, je vais y arriver. Avec Rest, Sleep Talk, T-Pulse et Change Éclair. Alors, pourquoi ce set est trop fort? Bah, parce que, basiquement, vous pouvez quand même le voir, hein, 90 de base PV, c'est pas dégueu. La musique derrière non plus, hein. Pardon, excusez-moi, 105 et 110 de base stat en défense, c'est excellent, c'est pareil, c'est plus ou moins équivalent à ce qu'a Mega Latias quand même, c'est pas dégueulasse, puis 165 de base d'attaque spéciale, c'est-à-dire que même non investi, on a plus que des bases 100 investies par exemple, ou même des bases 110 totalement investies avec plus nature plus. Enfin, ce truc t'as trop fort. Et on a envie de le jouer défensif reste pour pouvoir se régénérer Sleep Talk pour pas ne rien faire pendant les tours de reste. Bon, mais juste hop, vous avez rien vu. Sleep Talk donc pour pas être passif lors des tours de reste. Et D-Pulse Volt Switch, double stab. D-Pulse très fort. Ok. Voilà. On va s'éclater un petit peu. Voilà. Du coup, D-Pulse, c'est parce que c'est stable. Volt Switch, c'est l'autre stable. Et puis, c'est parce que ça nous permet de garder du momentum, ce qui est quand même très cool. Voilà. Fabio. Voilà. C'est un excellent check au Trick Room aussi, avec sa base 45 de vitesse. Donc, voilà. Offensivement, il doit être très intéressant à jouer. Je suis en train de m'en faire un sur Cartouche. Un à moi, et je vais en échanger, j'ai un Watt-Watt aussi pour mon cousin Winston, si un jour tu regardes cette vidéo, ton Watt-Watt t'attend, déjà, il est prêt, je te le filerai peut-être ce soir, au moment où je tourne la vidéo, peut-être, si j'arrive à t'avoir, enfin bref, voilà, moi je préfère le set défensif de ce truc, parce que, c'est tout ce que j'aime, c'est ce qu'on appelle un tank, c'est un vrai tank, c'est-à-dire que c'est un truc qui tank extrêmement bien les coups, mais qui tape derrière. C'est-à-dire que c'est pas un truc genre à la Toxapex, genre un gros wall à la Toxapex en mode bah ouais je fais des petites ébullitions, ça fait rien, tu vois, ça va rien tuer, ça va être chiant pour les burns, mais ça met des petits chips, mais c'est jamais assez pour genre gagner. Alors que là, ce truc peut faire des KO. C'est ce truc peut encaisser et tuer derrière, et c'est fort. Voilà, double type extrêmement cool aussi, puisque le type dragon nous apporte énormément de résistance. Le type électrique aussi, double résistance électrique. On a une résistance eau, on a une résistance plante, on a une résistance feu, on a une résistance... Bah, c'est tout, je crois. je suis en train de réfléchir. Résistance acier, pardon, grâce au type électrique. Voilà, c'est quand même pas dégueu. Bon, plus de faiblesse quand même à cause de l'apparition du type fée en sixième génération, puisqu'on a le type dragon, le type fée, le type glace et le type sol en faiblesse. Mais voilà, avant de méga évoluer, oui, j'ai oublié de préciser, avant de méga évoluer, le talent sera statique. Mais après, ça sera
Brismoule, donc, voilà. Vous avez la description de ce truc. Brismoule. Il est là pour refaire des culs, même s'il est là pour tanker. Ensuite, on a Baragon, le Nidoking, Lifeorb, Sheer Force, poseur de rock offensif. Voilà, c'est assez classique que j'aime beaucoup. Lifeorb, Sheer Force, voilà, on prend pas les dégâts de la Lifeorb, c'est cool. Je le joue spécial parce que why not, c'est toujours plutôt cool à jouer aussi. Voilà, Telluri Force qui va taper très fort. Ice Beam pour du coffrage qui va taper fort. Aussi Sludge Wave pour le gros stab poison. Voilà, max attaque spéciale, max speed, parce que why not. Ensuite, on a un Togekiss support Stonebreaker. Voilà, pourquoi? Parce qu'il y a des trucs quand même assez chiants à passer dans Sierre, et puis que ben, je voulais un petit peu une immunité sol. Quand on voit mes deux premiers monstres, j'avais envie d'avoir une grosse immunité sol. Puis, je sais pas, Togekiss, quoi. Voilà, Togekiss, enfin... C'est quand même très fort. Lufthansax, voilà, le petit surnom que j'ai trouvé marrant. Voilà, cette classique. Nasty Flood pour setup. Air Slash, Hitbell pour faire du cléric. Air Slash pour pouvoir flinch tout jusqu'à la mort. Et Rousse pour se soigner, évidemment. Voilà, voilà. Mine de rien, avec quand on placera des Nasty Flood, ce truc tape fort, hein, parce qu'il a quand même 120 de base d'attaque spéciale. Ce qui est autant qu'Arceus. Retenez-le. Pardon. Ensuite, on retrouve Bunker, notre Bunker de la UAL. Je vais y arriver. De la UAL. Je suis très très fier de le retrouver. Voilà, c'est un Pokémon que j'ai adoré jouer. Très bon spinner, très bon poseur de hasard. Voilà, j'ai pas eu le temps de commenter mes matchs. Je reviendrai peut-être en faisant une vidéo plus en détail sur mon ressenti de la compétition, pas revenir en détail sur chaque match, mais au moins peut-être expliquer, je crois que j'ai encore les teams, il me semble, presque toutes les teams, sur ce PC-là, puisque, bon, vous savez, j'ai eu des problèmes de PC, enfin, mon PC est genre mort, voilà, là, j'utilise un autre PC qui est ce PC familial. Voilà, c'est un petit peu la tristesse du setup quand même. Mais bon, bref, du coup, voilà, je reviendrai peut-être... Excusez-moi, je reviendrai peut-être plus en détail sur la UAL dans une autre vidéo, mon ressenti, tout ça. Parce que malheureusement, on n'a pas eu le temps d'aller jusqu'au bout, on est allé quand même très loin, et au final, bah, on n'a pas eu l'occasion de faire les playoffs. Mais voilà, enfin, au final, moi j'étais plutôt très bien placé pour les playoffs, parce que j'avais gagné contre... j'avais pas joué contre Mason, qui était dans notre division encore, j'aurais bien aimé. On a failli faire un final match, mais ça s'est pas fait. Enfin, genre le final match un peu qui comptait en mode grande finale, puisqu'on était un peu les deux seuls restants. Tout le monde avait arrêté à cause de la coupure de l'été et tout ça. C'était dommage, mais bon. Voilà. Bref, Bunker, double... Puisqu'on a déjà les pièges de rock, on peut jouer les picots. Plus les pics toxiques qui vont être assez intéressants pour Fabio à stoller des trucs. Nidoking a tué. Lufthansax a chip un petit peu et à faire chier. Et surtout le Pokémon que vous allez voir derrière. Voilà, Spin pour évidemment spinner parce qu'on n'aime pas, on n'a pas envie d'avoir les hazards. Et Gyro Ball parce que why not, voilà. Ensuite, on a Suicune offensif avec le Z Move, Oaken Mind, Surf, Ice Beam, Protect. Protect parce qu'on joue les T-Spikes. J'hésite entre mettre le Z Move et mettre les restes. Ce Suicune, le Z Move, c'est quand même cool, parce qu'une fois qu'on est placé avec une Calm Mind, on a une Nuke avec Surf, ce qui est quand même cool. Mais le reste pourrait nous permettre de... Ah non, ce truc tombe pile au bon moment. Non, donc du coup, ça nous permettrait de mieux profiter, de pouvoir gagner de la recovery, tout en profitant des T-Spikes. On verra en fonction des matchs, je pense. J'ai bien envie de garder le moveset quand même. Voilà, c'est qu'une offensive, parce que défensif, tout le monde le connaît, et puis j'avais envie de voir ce que ça pouvait donner quand même. Voilà. Et en dernier, Shaofuin, Choice Scarf, Regenerator, parce que j'ai plus envie qu'il soit là en mode support qu'en mode j'ai vraiment envie de taper, donc voilà. U-Turn, Agent Kick, Stone Edge, Knock Off, plutôt classique. Mais voilà, cette que j'aime beaucoup, et... On est enfin parti pour une game, ça fait combien de temps qu'on record? Ça va faire 10 minutes quand même, allez, je vais faire durer ce live un petit peu.
Je vais juste répondre à mon message. Hein. On a trouvé une game contre Scorvol Milobilus. Mega Alex Sprint qui est underused. Rappelons-le, Mega Alex Sprint qui est underused. Scizaiox qui n'est pas méga puisque Mega et Scizaiox est overused, heureusement d'ailleurs. Mais ça peut être un Scizaiox. Defog, la team. Motis Malaveuse qui est... Je sais, on sait pas ce qu'il fout là. Mais j'ai Fabio à une réponse, une réponse. Super réponse, un switch in immédiat, voilà, chercher mes mots. J'ai bien envie de lead avec Shaolin. Ah, le Gliscor. Eh bien, écoute, s'il ne fait pas abri, il va perdre son objet. Il va faire abri. Ok, il peut poser ses pièges de rock, moi je m'en moque, je vais switcher avec Fort Retress. Je pensais pas qu'il leaderait avec... Ouais, surtout pour encaisser le sabotage, j'avais pas envie de perdre mon scarf. Je pensais pas qu'il leaderait avec Gliscor, j'aurais pu s'en... Anticiper la méga évolution tour 1 de ce truc. Voilà. On va mettre une rangée de picots. Voilà, le Manectric va arriver maintenant. Fabio! À mon avis, il va plus faire un lance-flamme. Ok, alors moi je vais méga évoluer. Je peux toujours rester sur le Motisma, sur le Milolic, limite sur le Cizaiox. Je me tâte à faire de Volt Switch. Mais je vais faire Dipulse parce que je vois trop le Gliscor arriver. Non, Rotom, d'accord. Bah ça me va, hein, la limite. Voilà, mettre 42% à Rotom, ouais. Ça, c'est quoi comme jeu déjà? Ah, le tout premier Battlefield. Oh, il a fait Willow et on fait reste. Réaugmenter un peu pour moi. Parce que c'était moins fort. Voilà, maintenant il faut espérer avoir un bon sleep talk. Non, malheureusement pas pour nous. Le mieux pour nous ici, ça serait qu'on ait... Là, c'est le tour d'avance, on avait eu Volt Switch, on était refait. On était refait, je pense. Mais là, je sais pas. Si on pourrait avoir une... S'il va pas sur Gliscor, je veux un Volt Switch. S'il va sur Gliscor, j'aimerais énormément une Dipulse. Cobaltium qui va venir. On a double reste. Bon, c'est un petit peu plus emmerdant. On va Volt Switch ici. Il va placer ses pièges de rock, ouais, c'est pas... D'accord. 42%, mais putain, la vache. Hop. Il peut avoir taunt. J'ai envie de placer une deuxième rangée, hein. Limite une rangée de T-Spikes, mais j'ai bien envie de plus remettre une deuxième rangée. Manectric qui va revenir. Notamment pour ce truc. J'ai Fabio. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il fait, à mon avis, ici, il peut faire Volt Switch, je pense. PC Ice, ou qui va faire mal. Que je tente de me reposer, ce truc est beaucoup trop important. Hein. Parce que en soi, si je suis à full vie, je wall ce truc. Non, 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 il faut que je garde, il faut que je garde, il faut que je garde. Je vais aller sur Min Chao parce que Min Chao est mine de rien assez bulky et que je le voyais pas faire. La vache! Ouais, ok. Et je vais juste cliquer High Jump Kick, j'ai aucune raison de pas le faire. Ça va mettre 20% au Gliscor. Yeah. On va aller sur Suicune, j'ai bien envie de me débarrasser de ce Gliscor.
Ah, il m'a toxique, le méchant. Bien envie de faire ça pour aller empêcher un switch sur le Motisma, par exemple. Oh, mais oh, mieux, mieux, mieux. Parfait, on va pouvoir se reposer, on va pouvoir faire repos. On va pouvoir faire repos. Game 1, c'est bizarre. Il va switch en Manectric. Sleep Talk Baby. Allez, donnez-moi un truc intéressant, s'il vous plaît. Ça, c'était pas forcément le truc que j'aurais espéré. Je vais refaire le même play que tout à l'heure. Il sait que je suis Scarf techniquement. À mon avis, il va pas le risquer. Mais les picots là sont très intéressants. Les picots sont très 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 intéressants ici. Parce que ça chip. Parce que le Milobelus, mine de rien, il a déjà pris des dégâts. Ce truc a déjà pris des dégâts. Le Scizaiox va en prendre. Le Cobatium va en prendre. J'ai bien envie de venir mettre mes pièges de roc et même de faire un gros Ice Beam ici parce que bah. Je crois qu'il kiffe pas switcher sur un Ice Beam du tout. Milobelus. Ouais. Est-ce que. Moi je vais poser mes rocs, je pense pas. Ouais, je voyais bien le Dragon Tail arriver. Ah, oh, ça c'est cool par contre. Ça c'est très cool parce que moi ça va me laisser l'opportunité de spinner, il va pouvoir me scold, j'en ai rien à foutre, il m'a burn d'ailleurs. On a un peu rien à foutre d'ailleurs. Je vais placer une rangée de Tick Spike s'il décide de faire autre chose que ébullition. On va venir passer notre dernier tour de repos avec Mega Ampharos. Il a fait detail. Ça fait 11 dégâts. Hein. Malheureusement, je vais repos. Bon, au prochain tour, on se réveille. En vrai, j'ai Hellbelt sur ce truc. Je peux venir le. J'oublie. On va Hellbelt. On va Hellbelt. On va Hellbelt. Hop, et on réveille le méga Ampharos. Il me fait 0 dégâts. Je vais lui montrer Nasty Plot. Et je vais juste faire une Air Slash. Je le vois pas forcément rester et tenter de se faire flinch. Parce que sinon, s'il le fait, moi je regagne de la vie et je me débarrasse du Milobelus. Donc je me mets bien. Et si je me débarrasse du Milobelus, je me mets extrêmement bien. Regardez. Je vais le battre en 1v1 juste parce que c'est Togekiss, quoi. Et là, notre adversaire va rage quitte du Togekiss, évidemment, voilà. Bon, c'est toujours drôle. Après, c'était loin d'être fini, hein. Il pouvait quand même carrément venir me mettre la misère. Mais bon non, première game on fait forfait grâce à Togekiss, ça fait toujours plaisir. Oh là, Gardevoir, méga Gardevoir et Danstière aussi, rappelez-vous, hein. Méga, ou alors, non, je vous ai pas présenté le match où je me setup avec un méga Latias sur un méga Gardevoir. Oui, vous avez bien entendu. Voilà, ça c'est en overuse, c'est en underuse. Ça mérite d'être en overuse. Hop, on va juste faire ça pour éviter de se faire emmerder par des mecs. Team très 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 chiante. Qu'est-ce que j'ai comme bon lead immédiat pour mettre la pression? Minchaume,
semble bien. De toute façon, il va méga évoluer. Moi, je vais juste faire un demi-tour sur quoi. Pff, aucune idée, mais je vais faire un demi-tour. J'espère juste qu'il a pas PC feu. Il y a plus de son, je sais. Sub, oh là, ouais, ok, alors, tu se calmes tout de suite. Non, pas ça. Je sais en plus que vous devez voir ça. Pas juste moyen d'avoir une playlist YouTube, s'il vous plaît, genre, pourquoi? Putain, je suis en train de perdre du temps bêtement. Je suis désolé, hein. J'espère juste que je vais pas me faire strike la vidéo pour ça. Hein. On va éviter. De toute façon, ici, mon seul play, c'est Jerry Robot, le PC feu. Il est pas méga, on dirait. Playlist. On a pété le sub. Et il a PC feu, bon. malheureusement, je peux pas poser de hasard, je peux poser des hasards sur, non, sur plus rien maintenant. Je pourrais poser que mes PDR. À cause de cette histoire. Celui qui doit encaisser une attaque quand même, hein, on va juste faire un surf. Il va aller sur Rotom. Ah ouais, mais celui-ci, on l'a déjà écouté, en fait. Voilà. Ah ouais, non, mais il y a des paroles, c'est vrai. Sur ceci. Putain! On peut pas avoir juste une... Voilà, merci. Il fait full switch tout de suite. Il fait Volswitch tout de suite sur le garde-voie. Je vais pas méga évoluer. Comme ça, je tiens l'Hyper Voice. Et je vais pouvoir Volswitch. C'est là où je regrette de pas avoir Poison Jab quand même, hein. On force le switch-in, ce qui est extrêmement cool. Rocky Helmet, bon, ça change pas grand-chose. Je vais tenter de placer des picots. Non, il va faire séisme tout de suite. Bon, bon, bon. Bon. Salut. D'accord, tu décides de rester. Je sais pas pourquoi il a pas tout de suite. Ouais, voilà. Est-ce que je suis plus rapide que Rotom? Oui. On va continuer à air slash, hein. J'ai énormément envie de Nasty Plot, hein. Mais c'est jamais le bon play. Moi, je vais juste continuer à spammer les air slash. On a réussi à attaquer. D'accord, j'aurais clairement pu placer. Bien fait. Mais une nasty plus. Mais au final, on a carrément bien affaibli le Rotom. Et ça, c'est extrêmement cool. Yann Mega. Est-ce que tu fais pas abruti? Non. J'ai une double résistance, mec, à Bug Buzz. Hein. Bon, il a eu le Speed F Drop qui est chiant. Très chiant. On va pas se mentir, mais... très très chiant. À ce moment-là de la partie... Parce que... Ça veut dire que le Mega Gardevoir peut arriver. Nidoking est cool.
Je vais tenter de mettre des dégâts, je peux pas sacrifier quelque chose, je peux pas me permettre de sacrifier quelque chose comme ça. Est-ce que je créerai pas le Z? Je vais double dessus sur Fabio en anticipant le mutisme. Je suis obligé de faire excusez-moi, je reçois des messages de partout. Voilà, je voulais exactement prédire ça, c'est super. Ouais, méga évolué, on va faire reste. Wow, par contre, t'as pas mieux pour ça. Hydro Pump qui ne va pas tuer. Yes! Putain, Fabio est back. Fabio n'était pas mort d'ailleurs. Bon, il va faire Pain Split, bon, c'est pas très dérangeant. Bim! Parce que Dipulse. On va empêcher sa recovery s'il veut faire une deuxième Pain Split. Suicune peut gagner si j'arrive à mettre les PDR. Là, en fait, si j'avais eu les restes, je me mettais mieux avec Suicune, quand même. Bon, je testerai la prochaine game avec... C'est un play totalement inutile, mais on va mettre une grosse sludge wave maintenant, parce qu'il n'y a rien sauf Cizayox qui kiffe s'il est switché sur une sludge wave. Ah là là. Allez, joue. Putain. Ah, ça tue pas! Non! Oh non! Oh, comment ça, ça tue pas? Ah, c'est la tristesse un peu, quoi. J'aurais peut-être dû venir sur Shaolin faire Norcross, mais... D'ailleurs, je vais faire sabotage maintenant. Et le motisme est mort. Putain, du coup, je poserai pas du tout de hasard dans cette game. C'est casse-couille à souhait. Parce que Suicune en soi pouvait faire du taf encore. Puis ce truc aussi en fait. Si le Infernape n'est pas Scarf. On va saboter le Cizayox qui a les restes, qui va faire demi-tour, d'accord, c'est bien ce qui... Je voulais pas switcher au cas il y avait un demi-tour parce que là c'est presque sûr à 100% qu'il amène le méga Gardevoir. C'est presque sûr à 100%. Infernape. Ooh. J'espère juste que c'est parole et c'est parole, bien sûr. Merci beaucoup. Le jeu, merci beaucoup. Putain. Parce que là, pouvait y avoir ne plus d'Infernape, quoi, mais bon. Oh, il m'a donné son Cizayox. Oh, c'est gentil. Oh, c'est très très gentil, ça. Ouh, ça peut peut-être changer les choses. Ça peut peut-être carrément changer. Non, ça change peut-être pas tant les choses que ça au final. Non, bah non, non. Oh, est-ce que je peux pas... T'en faire un jump kick et je rate, voilà. Ah putain, c'est un peu le résumé de cette game frustrante quand même. Hein. Très très frustrante. Je vais tester les restes sur Suicune. Bon, même si là le Zen Move était pas dégueu pour tuer
Le Cisaiox, je vais garder le je vais prendre les restes. Là c'est cool parce que les restes vont nous permettre de switcher à répétition sur ce truc et Star Wars, c'est très cool. Bizarrement, j'ai énormément envie de lead avec Fabio. Et cliquer Volt Switch tout de suite en fait, parce qu'il a pas d'immunité sol. D'immunité électrique, pardon, il a pas de type sol. Je vérifie que ça tourne bien. Bluff? Ouais, ok. Close combat, d'accord. J'ai rien pris, mec, t'es au courant, genre, voilà. Basiquement, tu vas perdre ton Infernape, hein. Je vais faire sabotage, parce que ça enlève un potentiel objet. Il était focus, d'accord, sur le Nostanfer. On va aller sur Bunker parce que j'ai envie de placer des hasards. Ah. Peut-être pas en fait. Ouais, gros problème de médecine, je n'ai pas de priorité non plus. Ouais, alors le problème c'est que Close Combat risque de me refaire l'anus. Ce truc sert pas à grand chose. Oh! Ah, c'était même pas une prédiction, je l'ai envoyé à la mort, mais moi ça me va. Voilà. On va le laisser mourir. Je pense tenir un close combat quand même. À plus 2, sachant que j'ai pris. Ouais. J'aurais peut-être dû faire reste. Oh, j'aurais dû. Non, c'était pas le bon play. Vol switch, ça tue, c'est super. Bon, maintenant Fabio est un petit peu mort, mais le truc c'est que moi j'ai un U-turn gratuit qui va arriver maintenant. C'est seulement la deuxième game qu'on fait, hein. Non, la troisième. Pardon. C'est la troisième. On en fera peut-être une, on en fera une dernière après, je pense. Est-ce qu'il est Z? Est-ce qu'il est Specs? Est-ce qu'il est Scar? Peut être Scar. Peut être Specs. Il peut être Z. Ah, ben non, il est pas Z, il est pas Z, il est pas Z. Donc, on fait forcément sabotage ici. On lui enlève cette choice specs. On meurt dans le processus. Ce qui était peut-être pas une bonne option parce que je pouvais sweep avec Stone Edge, merde. Hello. Allez, rate ton attaque. Comme ça, moi, je peux faire repos et. Non, tu veux pas rater. Bon, tu veux pas rater. Tu ne veux pas rater. Bien, c'est dommage. Je vais faire Tellurie Force ici, j'ai aucune autre raison de pas le faire. On va placer les pièges de requin. J'aurais pu placer les pièges de requin. Ok. Mais j'ai encore Suicune, hein. Fais demi-tour. Ouais, mais Beedrill va pas kiffer, quoi. On va faire un abri pour regagner un peu de vie. Et on va faire surf. Actually, never. Toujours faire Ice Beam.
Oh putain. Toujours faire laser glace parce qu'il a quand même ce truc qui a water absorb. J'aurais pu faire un abri pour gagner de la vie. Ouf. Putain de bordel de merde. Je crois qu'on a perdu. En vrai, non, j'ai de picot. Oh non, on a peut-être pas perdu. Non, il va pas. On l'a perdu. Ah putain, c'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Faudra peut-être que je change un truc pour avoir de la priorité, mais je vois pas quoi. J'aime bien la team telle qu'elle est, mais j'aimerais bien avoir de la priorité, c'est vrai. Ce truc, peut-être, je sais pas. Il a quoi en move de prio? Il a pas bullet punch, il a fake out, waouh, génial. Il a pas mac punch. Non, bon, bah, c'est pas grave. On va rester comme ça. Ça va être la dernière game de ce live, je pense. Megaru Carnage. Oratoria. Ce truc là, 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 là. Oui, là. Non, je peux pas le prendre et le déplacer. Galvaran. Je sais, non, c'est pas Galvaran, je crois que Galvaran, c'est la petite évolution, je sais plus comment il s'appelle, le truc. Aucune idée, Héliolisque, Maconior, Mamochon et Entei, d'accord. Ouais, bon. Grosse offense de la mort. On va faire demi-tour ici dans le son. Parce que d'une part je suis pas sûr que ce neige le tue. Et d'autre part on va venir méga évoluer Fabio. J'ai pas voulu lead Fabio parce qu'il y avait le Mamochon. D'ailleurs, il est resté, j'ai pas compris. D'accord, non, il a fait demi-tour pour aller sur le Mamochon. Bim! Voilà, donc s'il y avait une ceinture force, elle est pétée, on est tous contents. Le séisme qui va faire zéro dégâts, il est joli as fuck. On va remplacer une première rangée de Pico. Specs. Mais on va juste venir spammer des air slash. Voilà, mettre des chips. Non? Bon, ok. Ok, ok. Mais là, c'est quoi ton switching à ce wave? Non, c'est pas un Mamochon à 30% qui va pouvoir faire les choses. On n'a pas les pièges. On n'a pas à gérer les pièges de rogue sur cette partie. Machamo! Heavy? Ah, il y a moyen. Séisme? Waouh, ça fait des lustres que j'ai pas vu ça par contre. Il a l'air d'être ça. Merde, j'aurais peut-être dû aller sur Suicune. Non, quoique, High Jump Kick, c'est pas dégueu. Parce qu'il n'a pas switching. Sauf ce truc, mais. Ce truc va bientôt mourir. S'il vous plaît. Est-ce que je peux... Ok, merci. Il y a eu... je sais absolument pas ce qui s'est passé. Ah! 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 Ouais, d'accord. Alors, je pensais absolument pas prendre autant. J'aurais dû placer une rangée de Toxic Spikes. Non, moi je vais juste spammer les Chrome Mind ici.
Non, j'ai. Bon, elle a eu un spé attaque drop. Et je peux pas avoir les doubles abris! Bah non! Bah non, bah non, bah non, bah non! Et j'ai pas les crits! Bah non! Il va être plus rapide et il va me tuer. Eh, on peut pas. Non, 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 je suis désolé. Non. On va au moins en gagner une, merde! Franchement, non, je suis déçu, je suis déçu. Je joue pas bien, j'arrive pas à. Pourtant, je l'aime beaucoup cette team, hein. Quand je l'avais je l'ai testé un peu avant sur le Suspected Ladder, ça marchait bien, mais. Bon, alors. Latias, potentiellement méga. Sucrène, Simiabraz, Crocorrible, Pingoléon et Oupa. On va le lead avec Shaolin. Et je vais faire demi-tour directement. Ouh la vache, les dégâts! Il a des potentiels Hazard Spinner aussi, Hazard Remover aussi. Suicune ici me semble être pas dégueu. Waouh. Depuis quand, mec? Dragon Pulse, pourquoi? Parce qu'il y a le Latias, parce qu'il y a surtout le Crocorrible qui peut venir sur un vote switch. Ouais, d'ailleurs, les mecs ils cherchent pas à comprendre, quoi. Merci de me donner autant de dégâts sur ton Crocorrible. En vrai, si je gagne une, si je place une Nasty Plot ici, je me mets extrêmement bien. Flinch. Yes. Elle est plus que deux. Voilà, on a tué Pingoléon, c'est extrêmement cool. Wouh! Ou pas qui va arriver. Aucune raison. Je te tue. Le truc, c'est que Destiny Bond ne se stack plus en 8e, en 7e génération. Et j'ai gagné. Bon, ok, très bien. On en aura gagné deux par des forfaits de Togekiss, quoi. Je comprends pas trop, mais soit. Bon, on va s'arrêter là. On est quand même à 3 quarts d'heure de live. On va s'arrêter là. J'espère que ce live vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, un commentaire, à partager les vidéos autour de vous. Voilà. En tout cas, prenez soin de vous. À la prochaine. C'était Fernando Bigo. Des besos, tout le monde.